contrôle. Du coup, la dernière fois, on avait fait les deux salles pour que ça aille mieux dans les deux salles. Là, on va lever le verrouillage interne par interruption du directeur. Par intervention du directeur. Bah, c'est nous le directeur, de toute façon. Il faut qu'on aille à la salle de contrôle. Donc, la question était... On est où? On est là, donc faut aller par là-bas. Et on va... Ouh là là. Oh non, j'aime vraiment pas ce bruit. En fait, on dirait qu'on est dans un manoir... Enfin, un manoir, non, c'est pas un manoir, c'est un grand bâtiment hanté. Ça tire, ça tire. C'est fini le bordel. Bon, on a l'air d'avoir arrangé le problème par là. Ventilation c'est good, élévateur on n'y va pas. Nous faut qu'on aille à la salle de commande qui est là-haut. Salle d'énergie, salle de commande, control room. Libère ça, enfin purifie pardon, et de, je vais dire de 3 mais non pas du tout, et de 4 je crois. Et voilà, donc on a force emprisonnée, le verrouillage peut être levé que par intervention du directeur. Oui, c'est du coup c'est le fils du directeur. Voilà. Les autres secteurs devraient être accessibles. Je crois qu'il est temps de dire à Emily pourquoi je suis là. Je prends le risque. Parle à Emily. Devriez faire connaissance tous les deux. Eh ben on va la voir. Allons voir Emily. Donc c'est même plus où qu'elle est. Il y a une quantité de zones encore pas explorées. Donc, du coup c'est vraiment ça. Je pense bon travail. Et vous avez levé ce verrouillage. Bah oui. Écoutez, Emily. Allez, je dois me lancer. J'ai pas été tout à fait honnête. J'ai un petit frère, Dylan. Quand on était petit, on a trouvé un vieux projecteur dans la décharge d'Ordinary. Les diapos ont créé... des portails vers d'autres lieux. Des horreurs en sont... sorties. Je m'arrête là. Le reste, je le garde pour moi. Mais on nous a aidés. Dans l'un des portails, nous avons trouvé une entité. Une entité? Quel genre d'entité? Difficile à dire. Mais ça... Elle nous a aidés. On a réussi à éteindre le projecteur. Les horreurs qui sortaient des portails ont disparu. Après ça,
Vous êtes venus pour nous prendre. Moi, j'ai pris la fuite. Mais ils ont eu Dylan. Je l'ai laissé tout seul. Des agents du bureau ont pris votre frère. Ouais. Vous êtes resté discret. Personne ne m'a cru. Je veux juste retrouver Dylan. J'essaie toujours de le retrouver. Qu'est-il arrivé à ce projecteur? On dirait un autre objet de pouvoir. Ben voilà, je vais chercher le projecteur. Je pensais que vous l'aviez pris. Le bureau. En même temps que Dylan. On ne m'en a rien dit. Mais par ici, absolument tout est confidentiel. J'ai consulté les dossiers de l'EAM d'Ordinary depuis la dernière fois. Trench et Darling étaient tous deux impliqués. Une large zone du secteur de confinement lui était réservée. Personne n'en a entendu parler depuis longtemps. Je ne sais même pas s'il reste quelque chose là-bas. Vous pouvez m'en dire plus sur cette entité dont vous parlez? En espérant que vous allez vous entendre. Elle m'accompagne depuis Ordinary. Dans ma tête. Elle m'a menée à vous. Je l'appelle Polaris. D'après l'étoile polaire, est-ce que Polaris connaît le Hiss? Si elle vous a fait entrer malgré le verrouillage, c'est qu'elle est puissante. Ce qui pourrait expliquer vos résultats d'examen. Vos relevés sont incroyables, Jesse. En les comparant à la base de données, j'ai trouvé deux correspondances dans les fichiers confidentiels de Darling. Malheureusement, je ne peux accéder à rien, hormis les codes des fichiers. L'un d'eux est P6, ce qui réfère à un candidat primaire pouvant devenir directeur du bureau. Il date de plusieurs années. Dylan? Est-ce que c'est Dylan? L'autre résultat est quelque chose qu'on appelle polyèdre, et qui doit être lié d'une manière ou d'une autre à ces amplificateurs de résonance polyèdre. Tout ce que je sais, c'est que Marshall est allé dans le secteur de recherche pour assurer la production d'ARP après le premier assaut du Hiss. Bon, Marshall semble être notre meilleure piste vers Dylan. Allons voir Marshall. Comment je peux accéder au secteur de recherche? Utilisez ma carte. L'ascenseur de secteur vous y emmènera. Oh. Marshall est la Oula. Prochaine étape. D'après ce que m'a dit Emily sur Ordinary, mes pouvoirs sont liés à des choses appartenant au passé du bureau. Je suis proche de quelque chose. Tu le sens aussi? Non. Quelque chose arrive. On tourne pour faire les visites. J'ai aidé toi, tu as dette envers moi. Plus tard, je vais venir demander de l'aide de toi. Viens. Ok, donc on vient d'avoir la carte 3. Oui, c'est 3, c'est ça. Du coup, ben, faut qu'on trouve Marshall. Mais il y en a combien de quêtes en vrai? Parce qu'on en a beaucoup pour soi et qu'on n'active pas. On a 4. Bam! Secteur central! C'est violent, j'ai oublié. Alors. Dans le para. On bat. Ah oui, parce que c'est une difficulté normale après? Oh, mais ça commence à bien faire, laissez-moi passer. C'est pas possible de voir ça. Du coup, il a dit que c'était en bas, le monsieur. Thank you.
commence à bien faire. Du coup, il était en bas. Enfin, le paramachin est en bas. Il est loin d'être sympathique quand même lui. Allez hop, on purifie les pièces. Il était compliqué à tuer le monsieur. Si jamais quelqu'un m'entend, pour rencontrer le... Ah, avec le maréchal par l'interphone. Nous sommes bloqués dans le département de chance. Tous les agents sont priés de nous rejoindre. Voilà. Marshall, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Qui êtes-vous? Je m'appelle Jessie Faden. Je viens vous aider. Faden? Attendez, je vais vous envoyer l'ascenseur. Il faut qu'on parle. Exactement. Encore plus? Sérieux? Allez hop, on va là. Faut qu'on cause. Son équipe connaît tous les secrets du bureau, Marshall en particulier. Est-ce qu'elle sait ce qui est arrivé à Dylan? Quelque chose me dit que le Dylan, on va l'avoir, on va avoir un problème avec. Pas pourquoi je... Ça pue ça. Marshall vous attend dans le labo de chance, un peu plus loin. Oh non mais ici c'est... Vous voilà. Je commençais à m'inquiéter. Pourquoi on a une pomme verte? On va faire avec. Bonjour madame. Tiendez. Félicitations pour votre nomination, directrice Faden. Je suis Hélène Marshall, chef des opérations du bureau. Zacharia est mort alors. Et j'imagine que vous avez trouvé son arme. Appelez-moi Jessie. Trench m'a dit de vous trouver. Il dit que vous pourriez aider. Et il vous a dit ça via la hotline? Oui, c'est logique. Rien de tout ça de latin? Vraiment? Voici la situation. Darling a créé les ARP dans un labo pas loin. Il nous en faut plus si on veut survivre à cette attaque. Mes hommes ne peuvent pas prendre le labo tout seul, pas face à des trucs pareils. On a besoin de plus de puissance de feu. Au moins, elle a l'air au courant de ce qui se passe. Elle pourrait savoir pour Dylan. Je peux combattre le Hiss. La puissance de feu, c'est moi. C'est une bonne réponse. Bah rien que ça. Est-ce qu'elle me teste? Darling a mis en place des systèmes pour protéger son laboratoire. Avec ça, vous pourrez passer. On discutera quand vous aurez repoussé le Hiss. Ok. Soldat, laissez passer. On va verrouiller derrière vous. Ah, et on attend 5 minutes, je me disais. Ouh, pour être derrière moi, ok. Je sais pas trop à quoi ça sert, cette zone de confinement, si y en a pas. Je vois des soldats là-bas. Il faut les aider. Ah mais c'est pas le moment avec vos machins là, oh lolo. C'est la taille de tout l'écran. Come on.
Voilà. On va juste prendre ça. Enfin, on purifie, pardon. On prend pas, on purifie. Oh, bah on a failli le voir. Oh, il est fou, lui. Ah, mais attendez, il faut que je me démode un jour, moi. Si je peux en avoir. Et voilà, on prend enfin ce truc. Et bien évidemment, on remet la pièce en place. Regardez, on fait ménage, on range les murs. Alors attends, du coup, c'est vrai que j'ai pas fait ça. Les capacités, les constructions astrales en mode... Amélioration de santé. Oui, bah oui, c'est pas... C'est pas con, hein. Mode personnel, mode personnel. Ah, c'était le choix. Ok, efficacité de lancer. Ah non, bah non, du coup. Efficacité de lancer. Efficacité d'esquiver. Mais là je peux en ramasser un. Pourquoi je peux pas ramasser? Comment on fait pour virer les mobs? Attendez. Oui d'accord, c'est un peu. Ok. Mission dépensée pendant le tir. Oh putain, c'est japonais toi. Capacité avec le mesure. Si on veut, on m'enlever. Parce qu'on m'a dit que c'était plein. Moi, si on me dit que c'est plein, j'y crois. Il manque des ressources.
Et attends. Mode personnel plein. Ça, j'avoue que ça va être le pied. Hein. Je suis désolé. On va pouvoir faire mieux quand même. Lance des ennemis légers. Oh, pof. Genre, ça me va, ça. On va faire joujou après. Lancer 3, 3, 3 et 3. Donc, ok, il nous manque. On a pas assez de. Ok, on continue. Le labo est par là. Ok. J'ai une scène du crime. Vraiment aimé ces ARP. On dirait que Darling les a créés, ainsi que la plupart des trucs qui sont ici. Si Marshall ne sait rien sur Dylan, c'est lui qu'il faudra voir. Enfin, mort, pris par Lewis. Réellement, on a accès à une salle qui donne rien. Ouais, ça me paraissait bizarre quand même. Là, il y a un ordinateur. Labo ARP. Tu m'as amené ici. Tu sais comment ça fonctionne? Rebonjour, directrice. On dirait que nous avons un autre problème. Nous devons faire fonctionner la machine à ARP. J'ai déjà manié des bougies d'allumage, mais ça m'a l'air un petit peu plus compliqué. Darling avait forcément un système. L'aléatoire, ça ne lui ressemble pas. Toutes les cartes, les symboles, les terminaux. Comment sont-ils liés? Je vais voir ce que je peux faire. Une carte. On manque deux. On doit trouver toutes les cartes de ce genre. J'en ai une là. Et après, il va falloir s'amuser. J'espère que le tableau, c'est pas important. J'ai vu l'état du tableau. Oh la vache. Ça va être une petite liste à faire. S. Ok, il va falloir s'amuser à trouver qui, quoi. Le dernier est là. Alors là, on a 1, 2, 3, 4, je suppose, et 5. Ok. Chaque carte devrait correspondre à un terminal. For use to 4. Two powerful for use to 4. Ok. Dimension. Ok. Et attendez, là oui, il y a un. Il y a un tableau. Ah, c'est 400. Ouais, on va donner. J'ai juste regardé ce que j'ai comme tableau, comme truc. Can you effect this? Ce serait celui-ci. Là. Je prends un doute. On dirait qu'il travaillait sur quelque chose avec ces symboles. Attends. Fais pas comme ça. Hein.
too powerful for you. Is... Alors, je sais pas si c'est 2, 3 ou 3. Oui, but c'est de savoir. Dans la logique, on va essayer un truc, mais je suis vraiment pas sûr de mon truc. C'est de mettre 2. C'est 5, ça tombe bien. C'est pas celui qu'on veut. 2, on veut celui-là. 3, on veut la moitié d'un truc. On va tester, sous pif, hein, honnêtement. Et bien évidemment. C'est quoi ces dessins au tableau? Ça fonctionne pas. Mais j'ai un anglais pourri, monsieur. Too powerful for your use. Dimension. Est-ce que ça nous dérange pas en plus? Ouais, voilà. Essayez des combinaisons. L'une d'elles finira par marcher. Oh, comment l'autre elle donne dans le désespoir. Et le 3. 1, 2, une machine 3. Bah disons que c'est trop aléatoire mon truc, donc c'est pas possible que ce soit ça. Ça a été un minimum réfléchi, donc... Je vais reprendre les cartes. Et on va réessayer tout ça, parce que ça m'intrigue. En fait. On va tout se poser et on va recommencer. Alors. Ça c'est fait. Là je l'ai pas prise. Voilà, donc c'est parti. Donc. Je reste persuadé que la première, c'est la première qu'on voit là. Mais après, c'est vrai que c'est assez particulier. Dimension. Après, on te dit qu'il faut pas l'utiliser parce qu'elle est trop puissante. Elle est trop puissante pour le 2 et 3. Enfin, je suppose que c'est ce qui est marqué. Ah, mais oui. Donc, du coup, ça fait la première, celle-là. La dernière. C'est... donc, 5. C'est celle-là. Non, mais c'est simple, en fait, quand j'y réfléchis. La dernière, c'est celle-là. Ensuite, vous avez une variante... qui est ici. Et la quatrième, c'est bien celle qu'on avait vue là-haut. Je pense que c'est ça. On va essayer. Hein. La quatrième, du coup, ça serait celle-là. Et les deux variantes, c'est 2 et 3. Donc, si je suis le tableau, 3, c'est plein. Et le 2... Ça devrait être celle-là. On essaye. Donc on essaye l'inverse. Avec celle-là. Avec celle-là. Voilà. Oui, bah oui, du coup, j'avais pas vu la flèche en bas qui disait que c'était la cinquième. Et maintenant, on peut lancer ça tranquillement. Bah ça va bien à peine, tiens. Le prisme s'est brisé. Les prototypes de Darling ne sont pas parfaits. Il nous faut un autre plan. Il nous faut plus de prismes de pierre noire pour activer cette machine. Darling a un autre labo au site de traitement de pierre noire, dans la maintenance. C'est sûrement là-bas qu'il garde les prismes. Je suis déjà allée à la maintenance. Je retrouverai mon chemin. Mais combien de temps ça prendra? Rien n'est simple ici. Je dois lui demander avant d'y aller. Je dois vous demander un truc avant. Qu'est-ce que vous savez sur Dylan Faden?
Je savais que ça arriverait. Mais des vies sont en jeu, et nous devons faire marcher ces machines pour les sauver. Quand ça sera fait, directrice Faden, nous pourrons parler. C'est vrai. Même si je n'aime pas beaucoup l'admettre, je suis la seule à pouvoir aider. Ok. Je vais d'abord chercher les prismes. Dylan devra attendre encore un petit peu. Mais pas besoin de m'appeler directrice. Jessie, ça suffit. Je vous appellerai Faden. Tenez, vous aurez besoin de son pass. Merci. Donc on est au pass 4. Emily Pope a monté un camp en exécutif. Dès que je trouve le prisme, je vous retrouve là-bas. Bien. Je me mets en route sur le champ. Et trouvez Darling. Le trouver pourrait être la clé pour arrêter Loïs. Avec un seul ARP de taille, prêt à temps. Mais c'est fait maintenant. Nous sommes sur le point d'être exposés à un type de résonance. Hostile, virale, invasive, négative. C'est le but même des amplificateurs de résonance. Se servir de la protection du polyèdre. Et éviter de se faire pulvériser. Mmh. Là, ça vous ramènera vers la recherche centrale. Ok. Moi, ça va être pas trop mal quand même, mais... Un public captivé. Lisière. Tout le monde perd noir. Ok. D'accord, donc on va... Du coup, faut aller... Je suis paumé, moi, avec tout ça. Ça y retour à faire, non. Merci, Mimi Postboucan. Trouver le traitement de la pierre noire. Maintenance centrale. Il faudrait que je retrouve un truc pour me TP. Ça, c'est la salle d'entraînement. Pas sûr que ça m'aide à aller... Préparez-vous, soldat. On commence dans 5. 4, 3, 2... 1, 2, partez. 45 secondes d'attente. C'est un machin de pouvoir, ouais. C'est toujours pas ce qu'on cherche. Hein. À moins qu'il y ait une pierre noire dedans, tu peux me dire, mais...
Dirigez-vous au passé, j'ai plus le temps. Ah. Ah, c'est ça. Oh, mais c'est classe, ça. Les ennemis dorés sont immunisés contre les attaques. Maintenez, je n'ai pas vu. Faut maintenir A. Moi je pensais qu'il fallait juste appuyer que ça faisait le bouclier. Mais c'est classe quand même. Bon, on le finit mal, mais bon, c'est déjà pas mal, c'est ça. Bon, bah, c'est toujours pas... c'est maintenant central, c'est pas la salle des mains de passe. Si, maintenant central. Ouais, je sais pas où c'est qu'il faut aller. C'est tout au-dessus. Ouais, j'arrive pas trop à voir où faut aller. Alors, attendez, on va se mettre les capacités directes. Ok. Ça c'est good. Non, reste un. Bon, ça c'est fait. Nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais arrêter tout à l'heure. On va s'arrêter maintenant. Ça va être beaucoup plus simple. Nous on s'arrête là pour aujourd'hui. Prochain épisode, du coup, on va essayer de trouver la pierre noire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite bien évidemment un joyeux Noël, une joyeuse Pâques, une bonne année. Salut tout le monde !